Bonjour Ignatius. Bonjour Hanan, ça va? Ça va très bien et vous? Jerry, how do you do? I'm great, how do you do? Very well. Comment allez-vous? Happy New Year, we haven't seen each other. Bonne année, bonne année. This is the first time I'm seeing you in the New Year, I don't say it. Yeah, I know. Weird. I hope you had a good time away. Amazing. Oh, that's great. You know, short but good. Good for you. Back to the grind. Exactly. Okay. Hello, Africa. Bonjour l'Afrique, bienvenue dans la chronique SciTech. Je suis Ignatius Anor. Les voitures sans chauffeur ont probablement encore un peu de temps pour arriver dans nos garages, mais en attendant, nous pouvons déjà profiter des valises autonomes pour voyager plus léger. Les valises robotisées présentées au Consumer Electronic Show à Las Vegas, aux États-Unis, utilisent des technologies telles que des capteurs et des caméras pour rouler toutes seules. Un jeune Américain a développé une valise contrôlée par smartphone. Elle peut rouler jusqu'à 11 km/h en suivant son propriétaire tout en contournant les obstacles sur son chemin. Il est également idéal pour les personnes handicapées et malvoyantes. Une start-up chinoise, ForwardX, a eu une idée similaire, mais sa valise utilise la reconnaissance faciale sans passer par une application mobile. Les bagages qui savent aussi reconnaître les mouvements et peuvent être arrêtés automatiquement au besoin devraient être lancés mi-2018 et pourront coûter moins de 1000 dollars américains. Écoutons Maximilian Kofteut de TravelMate Robotics. TravelMate est une valise robotique qui vous suit comme ça. Quand vous bougez, elle bouge. Quand vous arrêtez, elle s'arrête, un peu comme R2-D2. C'est un vrai robot, parce que vous n'avez vraiment pas besoin de le contrôler. Ça vous suit partout où vous allez. Aussi vite que vous alliez, le TravelMate vous suit. Ou si vous allez plus lentement, alors la valise va plus lentement. Et quand vous arrêtez, la valise s'arrête. Le but est d'avoir un robot qui vous permet de transporter des choses ayant les mains libres. Maintenant, si vous voulez boire votre café pendant que vous avez votre valise, c'est possible. C'est aussi bien pour les personnes handicapées, les malvoyants, etc. Je pense qu'il y a un grand marché pour un produit comme ça. Le vaisseau spatial cargo SpaceX Dragon transportant du matériel scientifique a été libéré avec succès de la Station spatiale internationale samedi. Le Dragon SpaceX est revenu sur Terre sans encombre samedi matin dans l'océan Pacifique. Parlons de toute autre chose à présent. Une nouvelle papa mobile a été dévoilée par la nonciature péruvienne pour le pape François lors de son voyage au Pérou. Trois Chevrolet Traverse modifiés transporteront le pape devant les foules lors de sa visite dans le pays sud-américain. Cette nouvelle papa mobile offrira au pape l'opportunité d'avoir une communication directe avec le conducteur. Le pape François arrivera jeudi à Lima avec des escales supplémentaires à Porto Maldonado et Trujillo après une visite de 3 jours au Chili qui a débuté hier. Les véhicules qui sont venus de Colombie ont été légèrement modifiés après que le pape eut une petite mésaventure lors de son voyage en septembre dernier. Écoutons le noce apostolique au Pérou, Nicolas Girasoli. Parmi les 3 véhicules qui sont arrivés aujourd'hui, nous avons dévoilé celui qui sera utilisé à Lima. Pour les 2 autres, l'un ira à Puerto Maldonado et l'autre à Trujillo. Ils ont été modifiés spécialement suite au petit accident que le pape a eu en Colombie. Quel est le plus important changement? La communication directe que le pape aura avec le chauffeur. À présent, la science, des ingénieurs de l'Iowa State University aux États-Unis ont mis au point des capteurs portables qui permettront aux producteurs de mesurer la façon dont leur culture utilise de l'eau. Le nouvel appareil que ces créateurs appellent capteur de tatouage d'usine est conçu pour être moins cher en utilisant le graphène matériau révolutionnaire, ce qui lui permet d'être mince et d'adhérer à des surfaces comme du ruban. Les développeurs disent que les technologies de capteurs portables ont été étudiées et appliquées dans la biomédecine, la santé et les industries connexes, mais sont encore relativement nouvelles et presque inexplorées dans le secteur agricole. Eh bien, c'est tout ce que j'avais pour vous dans cette chronique SciTech. Je suis Ignatius Anna. Continuons la conversation sur Twitter.